Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 316 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Why So Evil. Et il paraît que c'est un jeu what the fuck hardcore. Et on va essayer de voir ce qu'il en dit. Alors, je peux me déplacer avec les touches WASD. Oh putain, le son est vraiment trop fort. Je baisse le son. Je peux le baisser par là aussi. Mais je vais le laisser comme il est. Alors, oula, on peut se déplacer. Donc, nous sommes la boule verte. On voit qu'on... Are you ready for hell? C'est quoi le... Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Yo. Il faut que je chope... Ah d'accord, bah ok, il faut que je chope la boule bleue. Avant de me faire toucher par un putain de truc rouge. Et ça, j'ai l'impression que ça freeze à chaque fois. Je suis tombé. Ok, donc à chaque fois que ça recommence, c'est un truc qui monte. Ok, donc il n'y a pas d'autres touches. Il faut pas que je touche les rouges, faut pas que je touche les rouges, vite, casse-toi. Casse-toi, je me fais toucher. Ce jeu, il était fait avec les pieds. Hop. Wacon. Bon, là c'est facile, là c'est facile. Là. Ah, ta soeur. Oh putain. De Taras. Oh putain de Taras. Non. Allez, on est parti. Yo. Ah non, il faut pas que je me fasse toucher par les rouges. Oh. Oh. Oh oui. Ok, donc les verts, je peux monter par-dessus. Tranquille. Oh putain. Oh ta soeur. Les trucs qui apparaissent au milieu de la page. Ah oui, d'accord, je peux mourir aussi. Yo. Dès que je me fais toucher par un bleu ou un violet, c'est mort. Ces fils de bâtard. Ah, il a changé d'endroit. C'est un fils de pute. Ah, comment tu veux que je redescende, espèce de jeu de pute de merde. Attends, par où je peux redescendre? Et à quel moment surtout? Ah, j'ai failli y arriver. Jeu de pute. Je sais pas si on peut jouer avec la manette. Si tu te barres... Oh putain, si c'était barré, je l'aurais démonté. Oh putain. Non. Oh ta soeur en slip. Oh ta soeur en slip. Putain de Taras. Il faut jouer comme ça. Il va se barrer là. Ah non, il s'est pas barré. Ouh ça pue. Ça pue. Oh putain, il faut revenir. Oh putain, non. Ok, l'allée est facile. C'est juste qu'il faut revenir sans mourir. Oui. Oh con. Ouah ta mère. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu de barjo? Je t'ai eu le jeu. Je t'ai eu. Oh putain, ça pue la merde, ça. Putain, ça pue la merde. Allez, vous faire enculer. Espèce de pute de jeu. Nya. Je l'ai eu. Ouais, comment, c'est quoi ce diamant? Tu peux l'avoir ou pas ça? Tu sais pas, je peux l'avoir? Ça va bouger, je pense. Oh putain de ta mère! Ta grosse race. Non, il va pas mourir. Je vais pas mourir là. Ah bah si. C'est juste un jeu pute pour vous faire croire que vous pourrez aller chercher le diamant, puis en fait pas. Je sais pas si on peut. Oh putain! Je l'avais pas vu. Oh, mon dieu, c'est traître. Allez vous faire culer. Bâtard. Comment je fais pour récupérer moi, mon bonhomme là-bas? Ce truc de pute! C'est un jeu de pute. Voilà, pute, 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 pute. Je vais le redire 40 fois, pute, 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 pute. Oh pute, pute, oh putain, oh pute, 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 pute. Oh putain, non! Ah non! Ah non, ça c'est pas bien, ça. Ça c'est pas gentil du tout. Oh ta sœur. Je suis un putain de cube qui se déplace, sans déconner. Oh, je suis un cube, je suis un cube, je suis un cube. Qui se fait toucher, qui meurt. Oh putain, oh putain. Comment c'est dur! Alors ça fait quoi si je touche ça? Je meurs. Ok. C'est des bords que j'ai pas le droit de toucher. Ouh ça pue. Ouh ça pue ce niveau. Ce niveau pue la merde. Il vient vers moi? Non, il vient vraiment vers moi. Je suis poursuivi par un cube. C'est de la merde, je suis poursuivi par un cube et qui me touche ses pères. C'est un piège. Ah, tu me veux, hein? Tu me veux, espèce de bâtard. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est un jeu de pute. Je sais pas quand c'est qu'il me libère l'espace pour aller chercher la caisse, quoi. Ok, je vais plus vite qu'eux, mais c'est pas une raison. Je vais très vite arrêter de jouer, je crois. On va très vite finir ce test. C'est la logique quand on y pense, hein. C'est qu'un jeu de logique quand on y... C'est juste incontrôlable un cube, quoi. Why so evil? Pourquoi est-ce si diabolique? Non, c'est ça, non? C'est des gens pour... c'est des jeux qui sont faits pour des gens qui ont pas... qui ont pas foi en l'humanité. Faits par des gens qui ont pas foi en l'humanité.
Ah oui, c'est bien diabolique parce que ça s'ouvre pas. Et non, voilà, on va s'arrêter là. J'en ai marre. Voilà, ça y est, ça m'a saoulé. Je suis désolé. Voilà. En plus, ça arrête la musique. Attends, on va laisser la musique, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'on peut se barrer? Genre, on se dit non, j'ai pas envie de rentrer. Ah oui, on peut mourir aussi. Donc, voilà, vous avez vu que ça a commencé à libérer l'espace, mais bon, c'est... C'est dur. Contrôler. On a fait 20 levels ensemble. Oh, sans déconner. Allez vite. Et je suis mort 25 fois et j'ai eu que 0 diamant. Donc il fallait les récupérer mais je sais pas comment. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter et puis à partager surtout. Why So Evil. Je crois qu'il y en a un deuxième. Si on a l'occasion, on le fera. Mais j'imagine que ce sera à peu près le même délire. Hein. Peut-être que ce sera un autre jeu carrément, on va savoir. Il me semble qu'il y a un deuxième. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis salut.